Salut tout le monde, c'est TheFireworks76 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Nico Bellic, le célèbre Nico Bellic qui a fait des ravages en 2008. Et c'est bien sûr Grand Theft Auto 4 sur PlayStation 3. Alors, normalement, si cet épisode, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement des vidéos de Grand Theft Auto 4 que je vais faire, tout ça. Alors, il y aura 3 vidéos de Grand Theft Auto 4, donc une première partie, une deuxième et une troisième, qui seront espacées d'environ 2-3 semaines, si ça marche bien. Parce que quand je vais mettre, quand elle sera sur YouTube, cette vidéo, si j'ai un certain nombre de vues au bout d'un certain temps, et si je vois que ça marche assez bien, je pense que je vais en mettre une deuxième. Mais si j'ai pas énormément de vues en une semaine par exemple, je vais pas mettre la deuxième partie. Donc voilà, je préfère vous prévenir tout de suite. Et en tout cas, je suis content là parce que j'ai vu que sur ma chaîne j'avais 576 abonnés. Donc je suis super content parce que c'est remonté 10 abonnés. Il y a quelques personnes qui sont désabonnées, ça je peux le comprendre. De toute façon, c'est tout à fait leur droit. Moi, ça me dérange pas du tout. Bon, tant qu'ils veulent se désabonner. Bon, voilà. Bon, je vais pas revenir sur le sujet, mais je remercie beaucoup toutes les personnes qui m'ont soutenu pour les commentaires de mes vidéos où c'était marqué important plus new kit pour les Sims 3. Alors je remercie, je vais aller voir sur la vidéo. Et je vais aller faire une grande dédicace, même une grande et une grosse aussi dédicace, à tous ceux qui m'ont soutenu. Donc je vais tout de suite me connecter. Alors pour l'instant je vais vous expliquer aussi pour cette vidéo. Alors le programme de la vidéo, c'est en premier on a une sortie avec Kiki Jenkins au bowling, donc c'est une des petites copines de Nico Bellic dans GTA 4. Après on aura une mission avec Osan, c'est une mission secondaire, une petite mission annexe. En troisième on aura une mission avec Phil Bell. Et en bonus on aura une petite cascade assez impressionnante, en tout cas du point de vue de Nico Bellic. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Après, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en entier. Hein, vous pouvez regarder 15 minutes aujourd'hui, 15 minutes demain ou après-demain ou quand vous voulez. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir, la diversité de mes vidéos sur ma chaîne. Et voilà, moi en tout cas, ça me fait du bien un peu de lâcher les Sims. Et je travaille toujours sur Very Big House numéro 2, donc la vidéo numéro 2. Qui devrait sortir normalement autour du 25 mai. Alors, je vais aller tout de suite sur ma vidéo. Alors, dédicace à... Alors, attendez, ça rame un petit peu, donc, comme j'enregistre. Alors, j'y vais tout de suite. Voilà, normalement, je suis sur la vidéo, voilà. Alors... Je fais une dédicace à Leilei 5919. À qui d'autre alors à The Louis du 10. À Magic 52999. À Monsieur Lex 42. À X Sweetie, ouais, avec 2 i. À Chatala 62. Alors, qui a d'autres Sweets Graphic aussi. Alors. Je crois que c'est tout, en tout cas, pour ceux que... Voilà, je crois que c'est tout. Hein. J'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, voilà, j'ai voulu faire une dédicace à ces personnes-là. Si les autres ont mis des commentaires et puis que je leur fais pas de dédicace, c'est tout simplement parce que je les ai pas choisis, hein, j'ai choisi les meilleurs en tout cas. Je dis pas que vous êtes nuls, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà.
J'avais envie de faire une dédicace à ces gens-là. Alors, est-ce qu'on pourrait parler du nouveau kit? Parce que je crois que j'ai d'autres choses à dire sur le nouveau kit. Donc, il s'appellera le new kit. Alors, c'est le Diesel Kit. Voilà, c'est le Diesel Kit qui sortira normalement après le prochain add-on. Donc là, il y aura un nouveau kit qui va bientôt sortir. Ça sera en fin juin ou en mi-juin. C'est le délice sucré hein, avec Katy Perry. Là. Après, ça sera un add-on. Je ne sais pas du tout c'est lequel pour l'instant. Je ne peux pas vous donner d'informations. Et après, normalement, le prochain add-on, il y aura le Diesel Kit. Alors. Est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus? Je ne crois pas, en tout cas. Parce que je crois que je vous ai tout dit. Bah attendez, je vais essayer de faire une recherche. Alors, les Sims 3. Oula. Les Sims 3. Je comprends pas pourquoi ils ont annoncé. Enfin, voilà, développeurs, éditeurs. Pourquoi ils ont annoncé qu'ils allaient sortir un nouveau kit, mais ils n'ont pas annoncé entre les deux kits, donc Délice Sucré et le kit Diesel Kit, le prochain add-on. À moins que... Parce que je n'ai pas vu, enfin, si j'ai pas vu le nouvel add-on, hein, s'il vous plaît, faites-moi signe. Diesel Kit, voilà. Alors, il n'y a pas de date de sortie officielle. Alors, non, il n'y a pas de date de sortie. Alors, normalement, là, à ce moment-là, vous devriez avoir les 5 images du Diesel Kit des Sims 3. Alors, c'est le 7e kit d'objets. Alors là. Alors là, apparemment, j'ai trouvé le 12 juillet 2012 en France. Alors, je sais pas trop pourquoi. Bref, apparemment, il sort le 12 juillet, mais moi, il me semble qu'il sort... Qu'il sort plutôt en septembre, parce que il y aura un nouvel add-on en août. Ouais, c'est bien ça, août. Et voilà. Donc moi, je vais pas commenter toute la vidéo de GTA 4. Je vais vous laisser un petit peu. Et en tout cas, j'espère que vous allez aimer cette vidéo de GTA 4, que vous allez pas trop vous ennuyer. Et surtout, dédicace à tous mes abonnés, à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui mettent des commentaires, tout ça, comme d'habitude. Et mettez j'aime, commentez, abonnez-vous, tout ça, tous les petits trucs que vous n'êtes absolument pas obligé de faire. Alors c'est si vous le souhaitez, uniquement. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous dire ciao et puis voilà, bref. Bon allez, à tout à l'heure. Okay then.
guess bowling is not my thing. Bowling alleys at American Air Force bases overseas. Is that where you learn how to do it? Leave me out here in the cold, Kiki. Invite me in. This is really gonna mean something, Nico. Come in. Let's go, Kiki. You can prosecute me anytime. I love you, Nico. Nico. Oh, Nico. Girl, he is very intense.
It's me, Hosan! Hosan! How are you? Wow, man! It's good to see you. Ah, you too. So you stay? Yes! And you? Did you meet your cousin? Yes. Things have been complicated. How about you? Non-stop madness! Brilliant! I have met a lot of lunatics and life is wild. My friend's uncle gave me a job selling handbags. Knockoffs, you know. Sure. It's so easy! Easier than working on the goddamn boat anyway. And women, I love you, man. After 3 months on that ship, let's just say I was not cut out for the sailor's life. Ah, shit. It's good to see you. You too. Hey, Hosan speaking. Yes, I'm on my way. Nico, what are you up to? Nothing too urgent. Hey, why don't you walk with me? I've got to go collect some money. Yeah, sure. Great. I think we need a vehicle. Please make a U-turn where safe. Calculating route. Yeah. This guy's just over on Castle Drive. Shit, man! Things are wild! How is your cousin? Big mansion? 3 women at a time? Hot? Sports car? Turns out he wasn't doing as well as he made out. We're getting by, though. Things could be worse. What do you mean? Shit! All right, here's where he said he'd meet me. Wait here. Hey, man. You got that money? I've been waiting a while. I forgot to ask. You got a visa? I ain't giving good American currency to an illegal. Shit! He's got all my back pain! Can you get him? I'm going to get your money for you, Hosan. He ain't going to get away with being that much of an asshole. People get away with being assholes every day. I'm a fucking asshole. At least that's what all my ex-girlfriends are gonna tell you. This is different. It's a matter of prison. He's running for it. Catch him. Stay down there. You have my back pay. Nico, you're a true friend. Nico, you're amazing! A fucking savior! This was one more wild trip in Liberty City. Made me think I should settle down though. Get that dog we talked about. Really? Yeah, I don't know. Here's some of my pay. Call it the stuff I'm not giving to the tax man. See you around, Nico. Thanks, man. You didn't have to do this, but thanks. Baron, that
about to make me do this? Shut up! This guy's insane! Yes? It's Laszlo 2.0. I'm out here on the street. Dude, this is some edgy shit. No, it's not edgy shit. It's not edgy shit at all. Dude, it's not. It's the radio. I want to download it. It's the radio. Streaming radio. Listen, I want to start my own clothing line. Can you help me with that? I'd be fired if I let you in! Now get the fuck out of here! I'll try again tomorrow! Okay, then. Hey, Tommy, check this out. 717 Radio. Hey, dance music. Wow. Hey, pal. What's going on? Okay, listen, there's a truck waiting for us. It's under the overpass off Catskill Avenue. Drive us there. What can I do? I've petitioned Congress to outlaw everything that isn't suitable for children, but they're not listening. Try them. This thing for bucks. Be pretty sure it's clean. Chill out. All right. It's just that if we get caught on this one, you and me is going down for a long time. And that means that certain people is gonna assume we're wrecked, which means we'll get whacked. You're working with the wrong people if you expect them to whack you if you go inside. Where's the trust, Phil? It's about survival. If someone who knew what I knew got flipped, then the whole organization will go down. Whacking someone who catches some heavy time is just an insurance policy. And it don't help that not everyone in the organization is pulling in the same direction. You mean that someone in the family would see someone else going inside as an opportunity to get ahead? You're a smart guy. Anyways, excuse me if I want to be absolutely sure that we got our asses covered. You're excused. What are we doing? We're taking a load of product off of some Russians the enchiladas have been dealing with. Who's helping those Irish idiots cause some beef between the enchiladas and their Albanian muscle and whatnot? Since that little lover thing, they've been getting this Russian guy to supply them with sea. We just got the heads up that a shipment has arrived in Liberty City by boat. That's what the talk about the dogs was. Exactly. We're taking the sea off the Russians so they can't deliver it. All right, this is the truck. Breaking news. Choppers of death are terrorizing residents. Calculating route. Liberty City, except the weed is overpriced and the musicians are too scared. 10 yards. Why we need this truck? It must be a shitload of coke we're taking. It should be a lot of sugar. But that ain't the only reason why we're taking this truck. Some of my boys stole it from the enchiladas this morning. It's the one the Russians are expecting to come pick up the sea. We should be able to turn up and have them loaded up. By the way, the question is this. I don't know if anyone will give away a load of coke without asking any questions. Even the Russian coke runners ain't that stupid. Yeah, sure, this is just plan A. It's the one Jimmy P worked out. You and me know it ain't gonna work. And that the only way we're gonna be able to leave that place with the sugar is if all the Russians in there are dead. So why don't we use a more subtle approach?
not just drive right into the middle of it. Because these is the orders, and we gotta follow them. That's the way things work. You ain't gonna be happy about everything you get told to do, are you? You're the boss. It ain't like I'm working for free. No, you ain't, and I ain't either. That's why we gotta at least try to do what we're told to do. We're gonna learn that there ain't much in this life that you got control of. Whether you're putting yourself in harm's way because that's the way the skipper wants it done, or you're staying away from your kids because of a stupid court order and a malicious bitch of an ex-wife, there ain't that much control in anything. I've been around long enough to know that there are some things that we don't have a choice about. But there's other times where you got to look at something and make a decision for yourself. I can't follow every order I'm given. Yeah, well, maybe you're right. Maybe you ain't. I don't know. And everything should be fine. Hey, buddy, we're here to pick up the shipment. I don't speak English. Fuck off. Hey, amigo, let's make this easy. I just want to give this stuff to my boy and go home. I got the pussycat. On the right, you get the one on the left. Move it, Nico.
You handled yourself real good back there. Kept your head. That's a valuable trait. Thank you. See you later. Voilà, donc vous avez pu apercevoir que je ne suis pas mort, même en faisant une super cascade qui
qui est quasiment impossible à faire dans la vie réelle. Et voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout en plusieurs parties, merci d'avoir regardé ma vidéo. Commentez, mettez j'aime, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez-la dans vos favoris. Et voilà. Mais tout ça, vous n'êtes pas obligé, absolument pas obligé. Ce qui compte, c'est de vous faire plaisir et de faire plaisir à tout le monde, voilà. Même aux étrangers, hein, qui ne comprennent sûrement pas ma langue. Je parle de tous ceux qui ne parlent pas français, hein, bien évidemment. Alors moi, j'ai plus de dédicace à faire. Encore une grosse dédicace à Sweets Graphic Videos. Encore une super dédicace. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous proposer cette première vidéo de GTA 4 avec Nico Belli. J'espère que ça va marcher. Et moi, je vous dis ciao à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The Fireworks 76 officiel HD, oui, voilà. Bon, bref, allez, ciao tout le monde.